La culture étant une priorité de la relation entre le Maroc et les autres pays africains, la capitale est désignée Rabat Capitale de la Culture Africaine 2022. 86 événements visant à promouvoir la création, le dialogue et la tolérance entre les territoires africains sont organisés par les cités et gouvernements locaux Unis d'Afrique, CGLU Afrique, jusqu'en mai 2023 dans la capitale marocaine. Le choix de Rabat comme première capitale de la culture africaine constitue une occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture africaine avec ses composantes matérielles et immatérielles à travers une programmation culturelle, artistique et patrimoniale diversifiée. Pour la ville de Rabat et tout le royaume du Maroc, c'est un formidable tremplin pour promouvoir des valeurs de dialogue et de tolérance entre notre pays et ceux du continent. L'initiative culturelle qu'abrite le Maroc pendant un an se veut un accélérateur de la coopération entre pays africains. Rabat Capitale de la Culture Africaine 2022 reconnaît la créativité africaine comme levier important de développement sur le continent. En célébrant les capitales de la culture africaine, le CGLU Afrique veut faire de la culture dans les villes africaines un vecteur du sentiment d'appartenance et de respect de soi et de promotion de la créativité et la beauté africaine. L'objectif est d'intégrer les activités artistiques et des industries créatives dans le rayonnement international du continent. La littérature, la poésie, les arts plastiques, la musique, le théâtre, le cinéma, la danse, la mode, la photographie, les contes et les arts du cirque meublent cette première édition des capitales de la culture africaine. Le CGLU Afrique, en partenariat avec des institutions publiques nationales, consolide la valeur de la culture dans les politiques locales en Afrique.